parce qu'il y a des des escaliers. T'as des escaliers, t'as des escaliers, t'en fais pas. On va te voir, voilà. Allez. Regarde-moi cette trapanelle là. La croix, oui, non mais la vidéo je l'ai lancée, t'en fais pas. Hein. C'est pas grave, mais ce moment, regarde, ce moment de galération, il est tellement épique. Non, derrière toi, regarde-nous là, lève la tête. Bon, je vais le chercher. Il y a un escalier là, maintenant, en dessous de nous. Mais t'en vas pas par là. Attends, je vais le chercher, c'est bon. La vidéo, c'est moi, je l'ai lancé, mais il galère tellement que je vais la laisser, ça, tu vois. Allez, tu viens avec moi. Allez, viens avec moi. Viens. C'est bien. Allez, viens. Trapanel, ce gosse. Ah, mais là, je voyais sur le bâtiment du milieu, là. C'est pour ça que je... Ta maman t'a dit que t'étais spécial, toi, non? Elle m'appelle Tonnerre. Allez, c'est bon. Alors pour commencer déjà, à vous deux, Choupi, Zeta, je vous remercie de m'accompagner pour cette vidéo. Très beau moment de galérage de la part de Choupi, je t'en remercie. Je te fais un petit coucou, voilà. Le salut des humains est vraiment dégueulasse. On se retrouve sur Destiny, alors édité par Activision, développé par Bungie. Merci à Bungie, voilà le jeu qu'on attend depuis l'été, quoi, grâce à la bêta. N'est-ce pas Zeta, tu en as profité avec moi et on l'a attendu grave. C'était un grand moment, franchement, cette bêta, on en a bien profité. Ah, je me suis assis et comme vous avez pas de personnalité, vous avez tous fait pareil. Exactement, voilà, ça c'est voilà. Parmi les 4 emotes que l'on peut faire dans le jeu par les touches directionnelles de DualShock 4. Je le rappelle, on est sur PS4. Donc voilà pour cette vidéo. 4 Oui, voilà, oui, 4. On va vous proposer du coup une petite mission sur une nouvelle planète que la bêta n'a pas pu nous montrer. Donc on va partir sur quoi? Sur Mercure, c'est ça? Ou sur Vénus? Non, sur Vénus, sur Vénus, sur Vénus. Donc, voilà. Et juste un truc, comme tu nous as pas proposé de le faire, je dis bonjour moi. Hein? Ah oui, bah dites voilà. Bonjour, allez-y, c'est votre moment, monsieur. Non, je veux plus. D'accord. Bonjour. Okay. Le bonjour du gros trisomique. Coucou. Bonjour. C'est moi. Coucou. Coucou, tu me rends vite. Ok, bon, très bien. Donc nous sommes à la tour, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc je vais faire une petite visite guidée. Messieurs, vous avez qu'à faire ce que vous voulez en attendant. Eh bien écoute, on te suit, hein, après tout, c'est ici, ça. On a l'intendance, on a des messages, des choses à récupérer après l'émission. C'est ici qu'il faut aller, messieurs. Retenez bien, ici nous avons des coffres. Vous pouvez ouvrir votre coffre et vous pouvez appuyer sur les touches ou hold the press pour pouvoir mettre. Ah, c'est là les coffres ? Oui, c'est ici, bravo, je fais bien. C'est là les coffres ? Tu viens de le savoir maintenant, c'est cool, c'est bien. Donc dans ton inventaire, tu peux caler les objets que tu veux dans cet endroit pour que ça fasse plus de place libre pour encaisser du stuff. Ici nous avons un cryptarch. Vous pouvez récupérer des objets qui sont cryptés pendant l'émission que vous ne pouvez pas mettre. Et le cryptarch vous décrypte gratuitement l'objet, vous pouvez l'équiper, mais il y a un petit bémol. N'achetez pas d'objets chez le cryptarch, en fait, du moins c'est le conseil que je vous donne quand vous êtes, tant que vous n'êtes pas... Ballon de foot. Ballon de foot. Ballon de foot, vas-y. Où ça? Tant que vous êtes level 30, n'achetez pas d'objets parce qu'il y a une chance sur deux qu'ils soient mauvais en fait. Donc voilà, ça sert à rien de dépenser du lumen. Le lumen, que je vous montre ici même, qui est la monnaie du jeu tout simplement. Je joue au foot avec toi. Est assez chiant. Où est-ce que vous l'avez trouvé le ballon? Oh putain, un ballon de foot. Allez, non, à moi. La passe, je suis démarqué. Donc voilà, ne dépensez pas de lumen pour des armes qui sont cryptées, c'est plutôt chiant. Un intendant d'armes, vous allez me demander où est-ce qu'on achète des armes? C'est ici. Ici vous aurez différentes armes principales, spéciales et lourdes. Les munitions sont situées en dessous, en blanc pour la principale. Pour la spéciale c'est du vert et le violet ce sera pour notre arme lourde. Donc vous pouvez avoir différentes armes. Mon arme principale, je vous la présente, c'est un fusil automatique. Vous avez des dégâts en dessous, le fusil à pompe pour ma spéciale. Et j'ai choisi un bazooka pour l'arme lourde. Bien sûr, à côté, vous avez les skis, les items. Oui, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu voulais dire? Ce serait peut-être pas mal que tu présentes un peu ta classe aussi. Même si ça avait déjà été fait pour la bêta. Bien entendu, tu fais très bien de me le dire. Trois classes qui sont proposées au jeu. La meilleure, qui sont les Warlocks, bien entendu. Chupito et moi, nous la représentons. Les Titans, bien sûr, qui sont de super bourrins. Et les derniers, mais... Non, les moindres, les hunters. Mais non, t'en fais pas, je ne vais pas te charrier sur ce coup, Zeta. Ah, c'est gentil. Je le montre, détail, nous pouvons. Du coup, je vais faire ça. Non, je déconne. J'étais en train de cibler exclure de l'escouade. Inspecter le joueur. T'es drôle, toi ? Ouais, je suis drôle. C'est pour ça que tu fais des vidéos sur des jeux vidéo. C'est ça. Et pas des vidéos d'humour. C'est ça, exactement. J'ai suivi du clown. Ouais, c'est bien. Nous pouvons voir.
un chasseur humain au niveau des X, vous voyez le skin qu'il a. D'ailleurs, je vois que t'as droppé un casque rare, c'est plutôt sympa. Ouais. Tout comme dans les MMORPG qui se respectent, vous aurez différents objets avec une rareté différente. Blanc, des communs, vert, des peu communs, bleu, rare, et des violets, légendaires. Exactly. Voilà, donc dans la lune, non, pas dans la lune, dans la tour, merci, je t'en prie à tes souhaits. Ça, c'est combien de burgers? Petit placement à marketing, c'est sympa, on fait de la pub, nous sommes à Toulouse, on le rappelle, merci, bienvenue dans le 31. Du coup, ici, nous avons trois intendants qui pourront vous offrir les objets que vous désirez. Oui. Et moi, je danse sur ma table. Voilà, l'intendant des chasseurs et l'intendant des arcanistes, c'est ici qu'il faut que je m'adresse pour avoir un item différent. R2 pour pouvoir comparer les items et vous voyez si vous devez les prendre ou non en fonction si vous avez pas. Je me suis perdu encore. Tu t'es perdu. Non, c'est très bien, bravo. Choupito à la traîne, c'est magnifique. Coucou. Coucou. Ok, je crois qu'on aura assez perdu du temps. Ici, vous aurez les responsables d'épreuves quand vous faites du PVP ou du PVE. Ouais, je rappelle, player versus environnement ou player versus player. Et oui, j'ai fait anglais deuxième langue. Les gars, c'est la classe. Pour avoir des points d'épreuve, vous pouvez avoir des contrats. Donc, c'est quelque chose qui se cumule avant de vous lancer des missions. Des petites choses à remplir pour pouvoir prendre de l'XP plus rapidement. Les contrats se cumulent dans votre inventaire. Et voilà, plusieurs objectifs à faire. Les contrats en PVP, donc player, c'est là qu'Activision se pointe en montrant du MME, du QG, de la capture, de, voilà, tout ce que vous voulez faire. Bon, là, on ressent bien le Call of. Et Bungie se rattarde sur le PVE, donc du coup, des missions contre des ordinateurs. Les du coup les contrats rouges c'est du PVP et le PVE ce sont les contrats bleus. Voilà, ça a été survolé, j'ai pu le dire, c'était cool. Je crois qu'on va tout simplement partir en mission, on va parler par la suite, hein, non? Allez, c'est parti, parce que là on a assez perdu de temps, tout ça on l'avait déjà vu. On l'avait déjà vu dans la bêta. Ouais, je l'ai brèvement survolé pendant la vidéo de la bêta. Mais bon. Oui, mais moi j'étais pas là pour la bêta. Ah oui, c'est vrai, donc du coup il faut tout refaire. Eh ben refaisons tout. Ouais, voilà. Et c'est parti pour une vidéo marathon de 48 heures, messieurs. C'est ça, on va peut-être éviter. Allez, donc on part sur Vénus. À chaque fois que tu m'invites pour une vidéo, moi je suis trop jeune. Oui, c'est la merde à chaque fois. Oui, ça foire. Et bizarrement, moi c'est pareil aussi. Donc nous voyons mon magnifique Vénus qui n'est pas identique à ceux des deux autres. Voilà. Voilà, parce que moi j'ai le swag. Attention, je n'utiliserai plus. On est ton escorte, c'est pour ça. Voilà, j'utiliserai plus jamais ce mot de minable de ma vie. Vénus, baby, Vénus. Donc la première mission, comme ça on va pas spoiler le reste. Comme vous pouvez le voir, les missions sont représentées par certaines icônes. Là ici vous avez le raid de Vénus en fait. Chaque planète a son raid, voire même deux. Puis une mission de Discover, ce sont des missions en fait qui ne s'arrêtent jamais. Où vous pouvez faire du loot XP pour attendre vos collègues si vous avez d'autres missions en attente. Ou que vous voulez progresser dans le jeu en même temps. Donc on va faire cette première mission, un niveau 11, un niveau 10, je suis 14, allez on va la faire en difficile les gars. Non. On risque de faire que crever mais on sait que t'as envie de te la péter donc vas-y. Non, mon dieu qu'il est con. Non mais c'est pour avoir... Mon dieu qu'il est con. Non, vous avez deux modes de difficulté par mission, sachant que si vous choisissez le mode héroïque, c'est-à-dire un niveau supérieur, vous aurez un loot plus conséquent messieurs. Mon ice steel est vide. Non bon allez d'accord, non c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, allez, comme tu veux. C'est bon, allez, je la lance en normal. Et pendant le temps de chargement qui dure 36 plombes, seul petit bémol que l'on pourra reprocher à ce jeu, mais bon, on va pas faire les fines bouches parce que ce jeu, quand même, il pète sa race de sa mamie. Bungie a bien montré qu'ils pouvaient poser leur couille sur la table et la péter par la même occasion. Enfin, depuis le premier Halo, ils font ça quand même. C'est vrai, voilà. Depuis qu'après, maintenant, ils ne font plus les Halo, ils font que Sony, pendant le 3-2013, ont montré qu'ils avaient racheté des droits chez Sony. Chez Bungie, pardon. J'arrête de dire Bungie. Là, maintenant, on voit bien que ce jeu était destiné pour la console. Il a été destiné. Oh là là. Oh, très bien. Pardon. Excusez-moi. Amis des PCI, moi je me casse. Ça morde un petit peu les doigts quand même. Mais non, ils ont toujours moyen de râler. Ils vont dire qu'il est nul et que c'est très bien qu'ils soient pas sur PC. On peut pas. Oui, c'est sûr que c'est un peu dommage qu'ils soient pas sur PC, mais n'empêche, il est exceptionnel. Pour l'instant, on peut pas dire objectivement que ce jeu est mauvais. C'est pas possible. Oui, mais ils sont pas objectifs les PC. Dans le collectif d'Ishtar. On dit qu'ils étudiaient des ruines plus anciennes que l'humanité. Tout a sans doute été perdu lors de la chute. De toute façon, ils peuvent pas juger les PCistes, ils l'ont pas le jeu. Oui, mais ils jugent quand même les PCistes, tu sais. Je sais, j'ai tué un ancien PCiste.
Ah, regarde, je suis un gros con. Vous êtes gentils entre vous, les PCX. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que tous les deux, vous n'avez aucune personnalité. Vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Il y avait un avant-poste des gardiens par ici, autrefois. D'accord. Voyons si on peut... Je me suis retourné. On t'emmerde assez goulûment. Bon, je suis en train de vérifier le truc. Allez, ah, sortons. T'es excité comme le rocher. Sortons les Land Speeder, messieurs. C'est parti, Anakin, on te suit. Anakin. Oui, pourquoi pas. Anakin qui, toi? Ok, bon, allez, on y va. Relever. Allez, messieurs, c'est parti. Putain, qui c'est qui a mis un 3? De quoi? Qui c'est qui a mis un 3 à côté du rocher? Ouais, qui c'est qui a posé des rochers partout? Ah ouais, au fait, Choupi, je viens de looter une arme. C'est l'arme avec une cadence de tir magnifique. T'as qu'à écouter. Enfin voilà. Qu'est-ce qui nous différencie de nos trois classes? Bon, les titans, on va pas trop s'appuyer dessus en même temps. J'ai pas envie de faire du spoil. Donc voilà, les titans, vous aurez qu'à voir d'autres vidéos si vous voulez. À savoir que nous avons une grenade spéciale, un corps à corps différent et un ultimate différent. Exactement. Et une tenue de classe différente aussi. J'ai pas tenté, j'ai réussi là-bas. On s'est farci ou... Ah ok. Bah, écoute, hein. De toute façon, c'est pas comme ça. On se présente, les gars, on y va, go! Avec le qui est MGS ici? Nous trois. Ah bon? Je suis MGS, moi? Oui. Enfin, toi, t'es le pit crew de la MGS. Le pit crew, il vient de caler. Le pit crew, il vient de caler. C'est un shot, ton mec est en train de te tuer quand même. D'accord, ok. Tu cales le spectre. Merci, pit crew. Oui, je cale le spectre. Oh non, je suis mort. Non, on revient. Connexion établie. Ah, attends, je vais le sauver. T'es tombé? Non, j'ai failli. Un peu partout de machines à guerre. Tu veux que je te montre comment j'ai fait? Regarde. Indestructible, implacable, extrêmement intelligent. Et là, t'essayes de revenir. Facile. Je suis bon quand même. Les gardiens avaient autrefois des vidéos de merde. Ah! Bien joué. Ah, c'est con. Merci les gars. Bon. C'est... Merci, moi. Ouais, merci Choupi. Allez, moi, je préférais regarder par terre. C'est qui Choupi? C'est toi. Ah. Excusez-moi, je me suis loupé la sortie d'autoroute qu'il fallait. Et moi, j'arrive même pas à y rentrer sur l'autoroute. Là, donc... Ouais. J'aime bien te mettre en avant, X Rouge. En même temps, l'arcaniste, tu vois, c'est fait un petit peu pour aller devant par rapport au chasseur, tu vois. Moi, j'ai un sniper. Il serait peut-être temps d'arrêter ce racisme envers les chasseurs, s'il vous plaît. Moi, j'avais fait une super blague tout à l'heure, mais je pense que je peux pas la faire. Le détecteur de Vex devrait être plus loin. Ah oui, c'est vrai qu'elle elle était un peu point de doing. Surtout par les temps qui courent. Bon allez, je sors le lance-roquette. Easy. Voilà, comme ça on est bon. On fait ça vite fait. Nous avons eu une magnifique démonstration de la puissance du lance-roquette. Il y a un coffre. C'est ça. Il y a un coffre, oui, en effet. Donnez. Mais en fait, on l'a déjà ramassé. Ah oui, c'est vrai. Si on m'attend plus pour le ramasser, on peut aussi. Ah, mais maintenant on a fait la vidéo. Pas la vidéo, pardon. On a fait. Ah, bah tiens, un autre coffre. Notre coffre, monsieur. On avait fait la mission avec Zeta juste vite pour lui faire connaître la mission avant de faire la vidéo. Oh, bah oui, hein. On s'en branle de Thibaut. On s'en branle plutôt. Moi, c'est Thibaut, enchanté. Bon, tu utilises le spectre. Depuis que les gens regardent mes vidéos, s'ils ont vu à chaque fois que t'étais avec moi, ils t'appellent tout le temps Titi. Donc, ils vont pas penser. Oui, à moins qu'ils s'appellent Thierry, oui, peut-être. Ou Tiburce. Thierry, ouais. Okay. Ou Tito. Ok. Je devrais pouvoir pisser ces machines. Et lui là, je dois l'appeler comment? Ouais. Avant c'était Horace, mais maintenant il s'appelle Zeta. Ok. Ouvrez. Pardon. J'ai un peu pété les plombs. J'ai quitté l'école. Oh mon dieu. Mais putain, mais c'est pas possible quoi. Dégage. Il me gêne. X rouge. Oui. Qu'est-ce qui se passe, les enfants? C'est toi le chef d'équipe, alors il me gêne. Ah, il me gêne, il fait son on a fait un coup de poing. Ah merde. J'ai deux grenades au hasard. Merde, j'ai loupé.
Qui c'est qui est passé devant, devant ma lunette hein? Qui? Exactement. Et nous, nous avons un magnifique Kamehameha. Messieurs. Messieurs. Nous te suivons. Pendant que moi, je tue le reste. Oui. Ça va foutre de toute façon. Toujours à la traîne, Titi, toujours. C'est triste. Bon. Je ne sais pas si vous l'avez, si vous l'avez vu, mais c'est ici, il y a un coffre. Je ne sais pas si vous l'avez récupéré. Moi, je ne peux plus le voir, il est là. Ah, moi, je le vois. Ah oui, moi non plus, je peux plus le voir, on l'a récupéré. Okay. Oh, j'ai chopé une arme. Mais qu'est-ce? Tu veux vérifier avant qu'on... Non, c'est bon, j'ai vérifié. Là, les gens ne voient plus que Chupito est avec nous. C'est parce qu'on est dans une autre instance, parce que le boss n'est pas loin. Enfin, la... Je détecte la final phase n'est pas loin. Tout autour de... Comme c'est étrange. La final phase. La final phase. Alors, quand j'ai vu ça pour la première fois, je me suis dit... Coordonnées. What? Qu'est-ce que c'est? Laissez-moi vérifier. C'est un endroit où est-ce qu'il faudra placer notre spectre. Spectre, c'est la petite chose qui nous parle depuis tout à l'heure. Bon, quand même, hey, il faut se dire hey, que Destiny tient quand même ses promesses. Le jeu le plus cher en production de l'histoire de tout le monde entier, de l'univers de ta sœur. Of the Dead. Ouais, voilà, Of the Dead. Ta sœur Of the Dead, c'est normal. 500 000 $ de promotion sur ce jeu qui dépasse le premier qui était GTA 5. Oh bordel, mais ça a lancé! Oui, ça a lancé! Nous avons les mecs! Voilà, la race qui occupera. Donc, et une nouveauté. Une nouveauté. C'était une nouveauté d'ailleurs. Bah, ah oui, par rapport à la bêta, les vex, personne ne les avait vus. Ça, c'est nouveau. Je dirais pas par les petits. Ah, merci pour cet envoi dans l'espace. Je t'en prie, c'est un jeu, t'en prie. Attendez, là, tu fais le Kamehameha ou pas? Si tu veux. Si tu veux. Ah! Pas mal! Ah, ben voilà. Gardez, pas mal. Pas mal. Pas mal. Du début à la fin. Voilà, le spécial, c'est Ellen Errol. Et après, tu meurs. Allez, d'ailleurs, je vais lancer le mien encore. C'est les unités de base. C'est les Minotaurs. Les Minotaurs, exactement. Voilà, eux ils se TP sur ta gueule juste pour te faire dire mal. Oh. C'est la zone un peu là. Mais vous en sortez les gars, j'en suis sûr. Mais oui, on s'en sort. Ah, lui. Lui il marchait sans la tête un peu. Oui mais ça le fait quand tu leur fais des gros headshots bien si. Aïe. Ah j'ai gagné un trophée, tout est dans la tête. C'est pas moi qui vais le gagner celui-là. Il est con. Quoi? Parce que t'as rien à la tête? Merci. Y'a pas un brin de loot? Que dalle. Non mais si tu veux, y'a des cailloux ou quoi. Ça te suffira. Pourquoi le vidéo qui parle pas comme tout ça? Je ne t'écris pas. Ah tiens de vidéo. Selon, non pas la mienne, non c'est sûr. Gros connard. Et du coup, voilà, sachez que. Mais qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui s'écoulait de ces choses? Est-ce qu'il en reste? Qu'il y aurait que je puisse l'analyser. On attend 11 millions de joueurs inscrits pour seulement la PlayStation 4 dès la première semaine. Ça fait pas beaucoup, hein. Pas mal quand même, quand tu sais que le online de la PlayStation 3 sur MW2, qui était le MW2, a atteint 21 millions de joueurs en online, quand même 11 millions la première semaine, c'est pas mal. Hein. Call of Duty, c'est de la merde. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Faut pas dire de la merde, Titi, parce que pourquoi j'ai l'éditeur du jeu, là. Je vous laisse. En tout cas, moi, je tiens à préciser que j'ai revendu Call of Duty Ghost pour pouvoir acheter Destiny. Ah oui, la fameuse promo qui était faite dans l'un des plus... on peut le dire, tout le monde connaît ce magasin. Micromania qui faisait une putain de promo de 9,99€ si tu ramènes, c'est ça. Tu ramènes deux jeux d'une certaine liste, c'est ça. Même les plus forts. Exactement, tu revends deux jeux de Play 4 ou enfin voilà d'une console next-gen et tu as Destiny du coup à 9,99€ au lieu de l'avoir à 70€, ce qui était vachement intéressant en soi. Vous avez besoin de moi. Bon, après, il faut se prendre le season pass. Jusqu'ici. Voilà, le season pass, parce que comme ils disent chez Bungie, ils vont faire durer le jeu pendant à peu près 6 ans. Donc, des DLC, on va en avoir en masse, ça va nous chier dans les doigts. La race la plus maléfique. Ce qui veut dire que dès décembre, déjà, il y en a un qui a été annoncé, et le season pass vous permettra d'avoir tous les DLC gratuits. Et le DLC, le season pass, pardon, est pour l'instant au prix de 34,99€. Non. On va vite l'acheter parce que plus de DLC. Voilà, ça m'a maudit qu'il y a. Sera cher. Attention, oui, Xbox, j'en dirais que tu vends du poisson. Nous unissons nos forces. Ah oui, c'est vrai. Oui. Mais Destiny n'est pas de poisson. Oui. Non, c'est vrai que ça, c'est le jeu. Bon, le jeu de l'année, c'est sûr. Jeu pendant 10 ans, c'est clair. Et ouais, pour l'instant, je vois pas l'intérêt de jouer à autre chose sur une next-gen. Non, franchement, c'est. Et pour un MMORPG, si, il y a les Gozo. Oui, par exemple. Mais pas arrivé, Titi, t'as qu'à en parler. Toi qui es un grand joueur de World of Warcraft, donc les MMORPG, ça te connaît. Est-ce que tu penses que pour une console, c'est quand même un peu plutôt réussi pour un début à la détruisez son cœur. C'est le seul moyen de sauver votre voyageur. Ça, c'est bref, quoi. Non, mais oui. C'est autant niveau graphique que histoire que. Les après, moi pour juger, faudrait qu'on attende et voir comment ça se passe que le jeu là au level. Parce que moi, c'est ce que j'attends chez un MMORPG quand même. Il faut toujours choisir son camp, petit film. Donc, faut voir, mais pour l'instant, oui. Ils arrivent à assurer leur pérennité dans le jeu. Trop tard, je rentre. À mon avis, la difficulté qu'on aura pour choper toutes les armures de factions et tout, je pense que ça mérite. Non mais le truc que je disais, c'est que pour savoir s'il va plus s'orienter sur le live, c'est-à-dire que la majeure partie du jeu se jouera au level maximum, ce que je pense pas du début du jeu, parce que le leveling va être très intéressant, ou s'ils vont plus s'orienter, à mon avis, ce que je pense, sur un Lineage 2 en l'occurrence, ou atteindre le niveau maximum n'est pas une but en soi, c'est... Oui, comme on dit, voilà, atteindre le niveau max, ça te fait même pas 50% du jeu, tout le reste vient d'après, le stuff, oui, etc. Oui, ça c'est un wall-like, par contre, Lineage 2, atteindre le niveau max, ça sert, c'est pas le plus intéressant, c'est... le leveling est plus intéressant sur Lineage. D'accord. Bon, mais là, voilà, je vous permets de... Moi, personnellement, j'ai rien à dire. Mais de toute façon, tout le monde s'en fout. voilà, donc le loot de fin de mission, bien sûr. Qui je vous le rappelle, si on l'avait fait en difficile, le loot aurait été plus conséquent, bien entendu. Les loots de trash mob, donc entre guillemets, ce qui veut dire les ordis qu'on était en train de péter pendant le jeu, les loots auraient pu être aussi plus conséquents. Mais c'est plutôt sympa, je vois que. Tu voulais pas tester le revolver en plus, toi, Choupi, toi ? Non, c'est pas toi qui m'as dit ça. Je l'ai, j'en ai un bien quand même, je le garde au cas où. Je vais compter. De revolver ? Ouais, non, moi ouais. J'ai eu un truc moins bon que ce que j'avais. Bon, repartons sur Orbit. Et n'oublions pas que dans le mot orbite il y a or. Et orbe. Et orbe. Et le mot bit aussi. Le mot. Oh, il a osé. Il est cru cet enfant, il est cru. Je suis désolé. Non, ouais, je voilà, vais pas. Comme pardon. On disait, voilà, alors. Donc, une nouvelle amélioration. Chaque fois que vous monterez d'un niveau, vous pourrez améliorer ce qui s'appelle aussi votre doctrine. Donc, du coup, moi, c'est la voie abyssale pour l'arcaniste. Ta doctrine de chasseur, c'est quoi déjà, Zeta ? Être mauvais. Alors, la doctrine... Oh, s'il te plaît, du calme avec les chasseurs, on est des gens bien quand même. Alors, la première doctrine, c'est le pistolero. Donc, en gros, comme tu le disais tout à l'heure, c'est 3 balles en or qui permettent de one-shotter les ennemis pistolero. Sur lesquels on tombe lourdement. Et la seconde, c'est épéiste. Donc, dans la deuxième doctrine, à partir du niveau 15, c'est épéiste. Et le descriptif, c'est une présence élégante qui s'achève toujours par la mort. En gros, c'est une épée, moi je l'ai pas encore. Et à mon avis, on va pouvoir taillader gentiment et gaiement... du déchu, du vex et okay. Tout ce qui viendra après. Ok, donc pendant que tu étais en train de parler brièvement, donc je t'ai laissé la parole, entre temps j'étais en train de démanteler des objets dans mon inventaire. Démanteler, on ne peut pas revendre les items que l'on a, on les démantèle, soit on les détruit pour récupérer le lumen, et le lumen, je vous le rappelle, c'est la monnaie de base du jeu. Enfin, ça m'étonnerait pas que. Qu'ils mettent en place un moment en HV. Tu l'as déjà dit tout à l'heure. De quoi ? Qu'ils mettent en place un HV.
Un HV, ouais, peut-être, pourquoi pas. Après, on a reçu l'Inside, donc le magazine Inside, spécial Destiny, donc qui fait quand même, je sais plus, je crois qu'il fait presque 200 pages, si ce n'est plus. Je t'emballe. Non ? T'es sûr ? Je t'emballe, oui. Non. Non. C'est quoi, tu veux que j'aille voir ? Je suis juste à côté. Non, non, mais tu sais quoi ? Regarde, j'ai le magazine, j'en profite. Il y a en tout... j'ai le sommaire. Non, non, 100 pages, tout court. Tu vois, tu t'emballes. Ouais, je m'emballe, ouais. J'avais vu le pavé, tu vois, je me suis senti pisser. Et ouais, hélas. Donc bref, on l'a lu, vous voyez que quand on est sur orbite, il y a différents vaisseaux. Pour l'instant, ce n'est que esthétique, c'est complètement useless de l'acheter. Mais qui est-ce que tu portes ce que tu fais ? Voilà. Je t'emmerde. Ce qui puisait, Bungie a quand même précisé qu'il... Pourquoi pas, dans un futur proche, pourquoi pas faire un système de jeu avec des batailles de vaisseaux ou un système de jeu de course version Wipeout, ça pourrait plutôt être sympa. Enfin bref, voilà. Je crois qu'on a à peu près... Et moi, sinon, j'ai une théorie beaucoup moins sympathique. Je sais, mais qui n'a pas été prouvée pour l'instant. Oui, elle a peut-être pas été prouvée, mais je pense que c'est plus ou moins logique. Au lieu de ce genre de combat de vaisseau ou de course de vaisseau à la Wipeout, moi, je pense plutôt que ce sera une façon de faire durer plus ou moins les temps de vol entre les planètes. Donc oui, on verra bien. Je pense surtout que les temps de chargement, ils sont pas là juste pour faire joli et que, ouais, et que pour l'instant, ils sont pas à l'optimisation des temps de chargement. Je pense qu'ils sont le minimum qu'ils ont pu faire en temps de chargement et que enfin, je pense que on va pas faire gagner, on va pas faire acheter des trucs aux joueurs rien que pour diminuer les temps de chargement. Bah, c'est pas tellement le coût du temps de chargement, c'est que du coup, ça devient une partie de gameplay spécifique, quoi. En gros, le temps qu'on va mettre, ça va. En gros, c'est le temps qu'on va mettre par rapport à d'autres joueurs. On y ouais, mais je vois alors, plus vite que d'autres. Alors du coup, ça permettra d'atteindre des endroits plus vite et voilà. Non, bah si ce n'est la compétition, ouais, hein. De toute façon, on pense à la même RPG. Système Dark Orbito Game, quoi, histoire d'attendre et tout, ça me fait pas quoi. Enfin, j'espère pas qu'il y aura ce genre de truc. Enfin bref, je nous ai renvoyé sur la tour parce que j'ai eu des objets cryptés, donc je vais pouvoir montrer. Ce que le Cryptarch pourra faire, histoire de terminer la vidéo sur ce point. Messieurs, un dernier mot à rajouter avant que j'aille chez le Cryptarch. Jupe. Chabite. Chabite, très bien, magnifique. Nabucodonosor. Donc voilà, le Cryptarch, comme je vous l'ai dit, vous avez différentes armes qui les décryptent gratuitement et vous pouvez ensuite aller checker ce que ça va donner. Moi, c'était une impression là, c'est un fusil à pompe. Le mien fait 101 à 109 parce que c'est un peu commun. Quand c'est sur fond vert, ou que ce soit fond bleu ou doré, ils peuvent être améliorés en appuyant sur la touche triangle. Oui. Et là, c'est un blanc à 121. Je vais quand même le prendre. Ah ouais, je vais le prendre et je vais le démanteler. L'autre, voilà, on reste appuyé sur carré. On récupère du lumen. C'est un nouveau brassard. Vas-y, je vais le mettre, je vais voir s'il est joli. Ouais, moi, je peux améliorer mes armes. Il est plus blanc que l'ancien, quoi. Ok, très bien. Bon, et eh bien, messieurs, je pense qu'on aura tout dit. Le PVP, j'avais pas trop envie de faire une vidéo dessus. Enfin, peut-être une prochaine, pourquoi pas. Mais bon, on va dire que le PVE nous intéresse plus, quand même. Durer le suspense. Bah, disons que le PVE, c'est tout l'intérêt du jeu. Pour le côté PVP, ouais, on le connaît, ouais, c'est très classique. Même s'il faut avouer que dans le PVP, on aura des points de ce que l'on appelle de l'avant-garde qui nous permettra d'avoir un stuff bien plus conséquent dès le niveau 20 chez les intendants. Oui, exactement. Stuff que tu peux montrer d'ailleurs. Oui, c'est ça. On peut aller dans n'importe quel intendant et vous pourrez voir que bon, les capacités sont à 280, des trucs vraiment monumentaux. Ouais, moi après, personnellement, je pense que le PVE, ça reste l'intérêt principal de ce jeu. Ouais, bah, parce que moi, j'ai le PVE, quoi. Titi, est-ce que tu sais où nous sommes? Sifu, il nous a perdu, hein, quoi. Bref. Comme vous êtes où? C'est dommage. On se quitte sur une petite danse. On se quitte sur une petite danse. Mais moi, je sais pas y monter là-haut. Bon, d'accord, allez, on descend pour toi. Oh, c'est triste. Bon, et eh bien, messieurs, écoutez, je vous remercie d'avoir fait cette vidéo avec moi. J'espère on te remercie de nous avoir accepté. Ouais, voilà, parce qu'il aura fallu que je prenne sur moi. C'est pas étonnant vu la bande de bolos qu'on forme. C'est ça. Entre l'autre qui essaie de sauter sur le toit et nous autres qui dansons. Magnifique. Hein. Enfin bref. Bon, merci les gars d'avoir fait cette vidéo à ma compagnie. Bon, de toute façon, on se retrouve dessus pour un autre truc qu'on va pas faire dans la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis un petit à ciao et un petit mot pour la fin, messieurs. Toujours. Allez, à plus. Toujours jupe. Très bien. Les gars, vous êtes des abrutis. Fini. Mais non, mais c'est bon, j'hésite à dire Diplodocus, mais ça faisait trop redondant par rapport à ce que t'avais dit tout à l'heure.